Vous parlez de la gestation pour autrui, donc la GPA, en Inde, à travers les discours et les pratiques des médecins. Donc depuis plus d'une décennie, on observe en Inde une multiplication des cliniques, hein, privées pour la plupart, spécialisées en assistance médicale à la procréation, donc AMP, y compris en GPA. Ce rapide développement a été facilité par une augmentation des cas diagnostiqués d'infertilité et une absence de régulation des pratiques d'AMP. En effet, seules des directives gouvernementales régissent ces pratiques en Inde, elles ne sont donc pas obligatoires. Et en l'absence de loi, les pratiques de la GPA sont soumises au jugement et à l'éthique professionnelle des médecins eux-mêmes. Ces derniers jouent un rôle, jouent donc un rôle primordial à la fois dans la gestion et l'organisation de la GPA. Alors il y a différents types de professionnels de santé autour de la GPA en Inde. Celles et ceux qui ne s'occupent que de la partie médicale, qui sont souvent, ils travaillent souvent dans des hôpitaux, et qui travaillent en même temps avec des agences spécialisées pour toutes les démarches administratives et financières. Il y a celles et ceux qui gèrent en revanche toute la procédure, depuis la sélection des parents d'intention, des gestatrices, des donneuses, jusqu'à la grossesse et l'accouchement de la gestatrice. Alors ici, on va surtout s'intéresser à ces derniers, c'est-à-dire aux cliniques qui fonctionnent un peu comme des agences. Alors pour cela, je vais m'appuyer, comme le disait Pierre Joannet, sur une étude de terrain que j'ai menée en Inde pendant 2 ans, et plus spécifiquement à Mumbai, Chennai et New Delhi. Alors dans le cadre de cette étude, j'ai rencontré des experts, des avocats, des agences, des associations et des gestatrices, et j'ai réalisé 14 entretiens avec des professionnels de santé. 9 concernaient des cliniques privées, 5 concernaient des hôpitaux, dont 2 ne pratiquant pas la GPA. Alors à partir de ces entretiens et de la littérature existante, je vais explorer le milieu médical lié à la GPA. Alors l'objectif ici n'est pas de discuter la légitimité de la GPA, si c'est une bonne ou mauvaise chose, ni de discuter la binarité empowerment versus exploitation de la pratique. L'objectif ici est de rendre compte des pratiques et des représentations des médecins relatives à la GPA telles qu'elles ont été observées et reportées. Alors les discours des professionnels de santé sont particulièrement formatés, politiquement corrects, et leurs pratiques sont décrites comme respectueuses de l'éthique et des droits des personnes. Mais ces discours et pratiques n'en sont pas moins révélateurs des ambivalences et controverses concernant la GPA dans le pays, et plus généralement des rapports sociaux de sexe et de classe fortement marqués. Alors le rôle des professionnels de santé, donc celles et ceux, je le répète, qui gèrent toute la GPA, est tout d'abord de recruter. Donc ils sélectionnent les parents d'intention, les donneuses et les gestatrices, comme je l'ai déjà dit. Alors par rapport aux parents d'intention, déjà il faut préciser qu'ils sont considérés par les médecins comme les patients, alors qu'ils ne reçoivent parfois aucun soin médical quand le couple recourt à un don d'ovocytes, par exemple. Plus que des patients, ils deviennent même des amis, m'a expliqué un docteur, car leur relation est de longue durée, c'est-à-dire au moins 1 an. Alors les médecins ont expliqué ne pas avoir de critères particuliers de sélection. La plupart des médecins refusent néanmoins des cas de convenance, c'est-à-dire les couples qui demandent une GPA pour éviter à la femme d'être enceinte pour des critères esthétiques, par exemple. Ils refusent également de plus en plus les patients, les parents, qui viennent de pays qui n'autorisent pas la GPA, beaucoup d'Européens et des couples français, entre autres, à cause des problèmes consulaires. Certains médecins, ensuite, acceptent les couples de même sexe, d'autres non. Alors, de toute façon, depuis 2014, il y a de nouvelles directives politiques qui restreignent l'accès à la GPA. Seuls sont désormais acceptés dans le pays les couples hétérosexuels mariés et infertiles et munis d'un visa médical pour les étrangers. Les médecins doivent en général respecter ces directives, car sinon leurs patients n'obtiennent pas le visa de sortie pour leur enfant, qui est délivré justement par les autorités gouvernementales. Alors par rapport aux donneuses, il faut avant toute chose préciser qu'en Inde, la GPA est gestationnelle, c'est-à-dire que la donneuse et la gestatrice ne sont jamais la même personne. En revanche, les donneuses sont ou deviennent souvent des gestatrices, mais les ovocytes et l'utérus sont généralement utilisés pour des couples différents. Alors, le principal critère de recrutement des donneuses est la bonne réserve ovarienne. Il y a ensuite des critères sociodémographiques tels que l'âge, donc à avoir entre 21 et 31 ans, qui ne sont pas systématiquement respectés par les médecins. Puisque, par exemple, en 2010, les journaux ont reporté le cas d'une donneuse de 16 ans qui est décédée suite aux traitements médicaux. Alors, selon les cliniques et les hôpitaux, les donneuses sont anonymes ou membres de la famille.
Pour satisfaire la demande étrangère caucasienne, les cliniques, un peu comme les agences, font appel à d'autres agences étrangères. Dans mon étude, elles venaient de Russie, d'Ukraine, d'Afrique du Sud ou de Géorgie. Alors pour les gestatrices, maintenant, les médecins déclarent respecter les conditions sociodémographiques émises par les directives gouvernementales, à savoir avoir entre 21 et 35 ans, être mariée et avoir au moins un enfant et 5 naissances vivantes maximum. Il faut obtenir l'accord du mari qui doit signer le contrat de GPA. Dans les faits, ces conditions ne sont pas toujours respectées. Certaines gestatrices ont moins de 21 ans, d'autres sont veuves, divorcées ou séparées. Certains médecins déclarent en effet recruter des femmes seules à la condition qu'elles viennent avec un gardien ou un garant pour être sûres qu'elles comprennent et qu'elles respectent leur engagement et les procédures. Certaines cliniques émettent des conditions de recrutement plus strictes, par exemple avoir moins de 30 ans, ne pas vivre dans les bidonvilles et avoir fini son projet de famille, entre autres. Les médecins demandent également aux gestatrices de remplir des conditions médicales, parmi lesquelles être en parfaite santé physique, ne pas avoir de tension ou de diabète, ne pas avoir eu de complications précédentes grossesse ou accouchement. Alors il y a également parfois une expertise psychologique. Mais sur le plan médical, l'accent est surtout mis sur la qualité de l'utérus et sur sa grandeur pour faciliter les grossesses multiples, m'a-t-on expliqué. Alors ces conditions sont parfois contournées. J'ai par exemple rencontré des gestatrices qui avaient des carences alimentaires et qui étaient boostées par une cure intense de vitamines avant de devenir gestatrices. Dans un documentaire sur la GPA réalisé par par l'association SAMA, une gestatrice raconte qu'elle faisait 43 kilos, mais que sur sa fiche, le médecin avait noté 70 kilos. Une autre gestatrice, dans le même documentaire, avait 8 enfants. Alors une fois que la donneuse ou la gestatrice est recrutée par la clinique, un profil est créé et posté sur Internet pour permettre aux parents d'intention de faire leur sélection. Le rôle des médecins est ensuite de définir les conditions de travail. Le but est avant tout de répondre aux demandes et exigences des parents d'intention et de leur donner toute satisfaction tout au long du processus. Les médecins ont expliqué que les parents d'intention ont parfois des demandes particulières concernant le choix des gestatrices, en termes de religion, d'âge, de situation matrimoniale, d'habitude alimentaire, etc. Puis concernant le déroulement de la grossesse, comme par exemple faire écouter à la gestatrice des musiques particulières. Alors les médecins ont déclaré ne pas veiller à respecter les demandes des gestatrices, car selon eux, elles n'en auraient pas. Elle souhaite uniquement des parents sympas et des parents qui paient. Alors une professionnelle m'a expliqué qu'elle cherchait essentiellement qu'on prenne soin d'elle. Alors le rôle des médecins est en effet de prendre soin des gestatrices sur le plan médical, et pour cela, leur corps est soumis à des contrôles réguliers ou permanents. Ces examens médicaux sont décrits par les médecins comme un moyen de veiller au bon déroulement de l'embryon puis du fœtus et d'éviter toute éventuelle complication liée à la grossesse, particulièrement courante en Inde. Paradoxalement, certaines pratiques médicales accentuent les risques, comme par exemple la non-restriction sur le nombre d'embryons transférés, ce qui donne un important taux de grossesse multiple, et le recours plus que fréquent à la césarienne. Ces risques se monnaient cependant, puisque les gestatrices reçoivent des primes en cas de jumeaux et en cas de césarienne. De même, pour que cela soit financièrement plus accessible pour les couples, indiens notamment, lorsque la GPA se fait avec les ovocytes de la mère d'intention, les médecins préconisent de fortes stimulations hormonales pour obtenir plus d'ovocytes, plus d'embryons, et tout ça à moindre coût physique et financier, mais qui sont plus dangereuses pour la santé. Alors voyons maintenant comment est organisée la grossesse. Alors pendant la grossesse, les médecins demandent parfois aux gestatrices de rester dans des endroits contrôlés, donc ça peut être des dortoirs, des appartements ou des chambres qui sont loués soit par les parents d'intention, soit par les cliniques. Et ce, pour plusieurs raisons. Pour offrir une meilleure hygiène de vie, de meilleures conditions sanitaires et une alimentation plus équilibrée, considérée comme davantage compatible avec une grossesse réussie. Pour éviter toute relation sexuelle avec le mari. Pour éviter que les femmes retournent à leur lourde activité quotidienne d'épouse et de mère, ce qui pourrait menacer la grossesse. Et enfin, pour protéger les gestatrices du regard réprobateur de la famille et du voisinage. Alors selon les cliniques, l'éloignement et l'enfermement sont obligatoires ou facultatifs. Il y a donc des gestatrices qui ont la possibilité de rester chez elles tout au long de la grossesse ou presque, puisqu'elles sont hospitalisées au moindre problème. Certaines gestatrices, en revanche, demandent de rester loin de leur entourage pour justement ne pas être stigmatisées.
Alors, le rôle et la responsabilité des médecins s'arrêtent le plus souvent là, à la fin de la grossesse, c'est-à-dire à l'accouchement, parfois avant et très rarement après. Alors, pour la majorité des médecins rencontrés, la GPA est une situation de gagnant-gagnant. Les parents d'intention obtiennent bien souvent au moins un enfant, et les cliniques affichent à cet égard de très bons taux de réussite, particulièrement séduisants, de 36 à 71% selon les cliniques. Les gestatrices, quant à elles, obtiennent une importante somme d'argent qui leur permettra de mieux vivre et d'offrir une meilleure éducation à leurs enfants, entre autres. Une docteure m'a expliqué que, je la cite, comme elles sont peu qualifiées, elles auraient eu peu d'opportunités de faire autre chose pour la même somme d'argent. Pour cette même docteure, il n'y a pas d'exploitation car, je continue de la citer, elles mangent bien et elles sont prises en charge dans les meilleurs hôpitaux de la ville. Les médecins ont déclaré que les gestatrices sont très bien préparées et informées dès le début. Elles savent notamment qu'elles n'ont aucun lien génétique, j'entends, avec l'enfant, et qu'elles n'auront aucun droit sur lui. De toute façon, les médecins m'ont expliqué que la plupart des gestatrices ne voudraient en aucun cas un enfant supplémentaire, ce que j'ai effectivement observé auprès des gestatrices. Selon les médecins, la GPA est une expérience positive pour les gestatrices. L'environnement des maisons spécifiques est décrit comme très confortable. Les gestatrices s'occupent en lisant, écoutant de la musique, regardant de la télé, en faisant de la broderie. Dans certaines cliniques, il y a même des ateliers d'informatique, de langues étrangères, etc. qui sont organisés. Il s'agit également d'une expérience positive selon les médecins, car les gestatrices demandent souvent à renouveler l'expérience une seconde fois. Les gestatrices que j'ai rencontrées se sont montrées en effet relativement satisfaites, du fait surtout de la somme d'argent gagnée, et aussi du fait que pour la première fois, elles ne s'occupaient que d'elles et n'avaient rien d'autre à faire. En revanche, parmi celles qui restaient dans les maisons spécifiques, nombreuses étaient celles qui s'ennuyaient. Elles déclaraient qu'ici, elles ne faisaient que manger et dormir. Par ailleurs, elles ne souhaitaient pas toutes renouveler l'expérience. Dans le parcours médical, le plus difficile pour elles est le traitement médical, soit les injections d'hormones, et les nombreux rendez-vous médicaux décrits comme difficilement conciliables avec leur vie de mère et d'épouse pour celles qui restent chez elles pendant la grossesse. Alors, certaines gestatrices rencontrées dénoncent également l'autorité excessive des médecins et surtout un rapport de confiance déséquilibré. Les gestatrices déclarent faire confiance aux médecins puisqu'elles leur remettent leur santé entre leurs mains. Elles ne comprennent donc pas pourquoi cette confiance n'est pas réciproque. Les médecins, selon elles, devraient comprendre qu'elles n'ont pas l'intention de faire n'importe quoi pendant leur grossesse et aussi leur permettre, par exemple, de voir l'enfant à la naissance sans pour autant craindre qu'elles s'y attachent, veuillent le garder ou faire ensuite du chantage aux parents. Cependant, tout au long du processus de GPA, des gestatrices acquièrent de nouvelles et de meilleures connaissances en matière de santé et de reproduction, même s'il est difficile ici d'évaluer le degré de compréhension. Les gestatrices et parfois même leurs enfants bénéficient également de soins spécifiques, pas forcément liés à la grossesse, comme le soin des yeux, soin des dents, etc. Alors pour conclure, on peut dire qu'il y a une variété des situations et des médecins. Tous ne fonctionnent pas de la même façon, tous n'ont pas la même organisation ni représentation de la GPA et des gestatrices. Ce qui ressort clairement, en revanche, est le fait que les médecins tentent tous de recruter la parfaite travailleuse de la reproduction et optimise à chaque étape de la GPA la performance du corps reproducteur des gestatrices de façon à garantir à moindre coût la production d'un ou de plusieurs enfants sains et à terme. Les discours et pratiques des médecins témoignent d'un fort pouvoir biomédical. Limiter le mouvement des femmes, surveiller leur comportement et soumettre leur corps à un contrôle permanent apparaît comme une manifestation particulière de pouvoir et de contrôle des médecins. Cette absence de liberté et de pouvoir de décision des gestatrices face aux médecins est d'ailleurs souvent dénoncée par les associations qui revendiquent plus de droits pour les gestatrices. De leur côté, les médecins sont dans l'ensemble en accord avec les directives gouvernementales et voudraient que la loi soit rapidement votée pour notamment éviter les dérives des autres cliniques. En revanche, les médecins ne comprennent pas toujours pourquoi les conditions d'accès à la GPA sont de plus en plus strictes et revendiquent parfois à cet égard un projet de loi plus conciliant avec les patients, donc les parents, pour que la GPA leur soit plus facile. D'autres professionnels souhaiteraient, quant à eux, qu'il y ait une séparation claire entre le médical et le business. Car, je cite une docteure, « Désormais, la GPA est un business plus qu'une façon d'aider les couples à avoir un enfant. » Une des docteurs interrogées qui refuse justement de faire de la GPA dans son service d'AMP explique que l'hôpital relève du service et non du commerce.
C'est pourquoi certains docteurs estiment que les cliniques ne devraient pas s'occuper de toute la partie administrative et financière. D'autres médecins, à l'inverse, assument parfaitement le côté business. Tout est devenu business, a déclaré un des médecins que j'ai rencontré. Alors, pour résumer, la qualité des soins est incontestable. Certains risques sont clairement minimisés, mais d'autres, au contraire, sont plutôt optimisés. La médecine de la reproduction acquiert ici, à travers la GPA, une logique mécanique et commerciale qui met en exergue des rapports sociaux inégalitaires, et des relations de pouvoir et de domination. Cependant, ces derniers ne sont pas propres à la GPA d'un pays. En Inde, en effet, le pouvoir médical s'exerce également sur les populations économiquement vulnérables et socialement marginalisées. Voilà, je vous remercie.